Bienvenue à toi. Je suis dans la ville de, en fait, San Pedro, le quartier de San Pedro, aux abords de la capitale de San José, au Costa Rica. Et là, je m'apprête à... je rentre en pensant à mon affaire. Commençons une vidéo, Pascal, avant de traverser une rue. Et je te partage un peu mon expérience de marche et pourquoi est-ce que je fais ça. Bien, je suis en train de te partager ce qui résume 90% de mes expériences de voyage, c'est-à-dire me lever le matin, mettre un pack sac, regarder dans quelle région je suis, me donner quelques points de repère à ne pas manquer, puis partir à marcher à la découverte de la ville. C'est mon plaisir d'être un oiseau qui vole au-dessus de la population et qui les observe en train de vivre. C'est ça qui est le fun. Là, présentement, on est lundi. Fait que ça veut dire un lundi après-midi, c'est que tu fous chez vous. Pas grand-chose. C'est ça, la beauté de la patente, c'est ça, c'est d'observer les gens dans leur routine. Comment est-ce que le transport en commun fonctionne? Comment est-ce que le trafic bouge aussi? Finalement, beaucoup de questions sur comment tu te rends au travail. C'est ça. Moi, je fais des voyages juste pour ça. J'étudie les transports en commun à travers la planète. M'en partir un site web, c'est terminé. Mais c'est... de voir comment la vie s'installe. C'est ça que je trouve vraiment trippant, d'étudier l'humain, d'avoir le privilège de pouvoir être incorporé dans leur routine l'espace d'une journée. Présentement, il fait extrêmement chaud et ça serait un des premiers conseils si tu t'aventures dans le coin d'Amérique centrale ou tout ce qui est proche de l'équateur. Ne sous-estime jamais la puissance du soleil. J'ai fait ça une fois à Puerto Escondido au Mexique. Et j'ai pogné le pire coup de soleil de ma vie, sincèrement. Là, j'en ris, là. Mais à l'époque, je voulais vraiment aller consulter un dermatologue. J'étais comme, c'est certain que je me développe le cancer de la peau, mais j'ai pogné tous les cancers de la peau. J'ai jamais été rouge comme ça. Je pense que j'ai plombé pendant 3 mois. Donc, tu le sens pas, ça frappe de l'eau, des vêtements clairs, la crème solaire quasiment à tous les 5 minutes. Là, j'exagère. Mais prends-toi de la bonne crème solaire. Et tu devrais être correct pour ton aventure. Ceci étant dit, la beauté de la chose de se promener comme ça, c'est vraiment voir comment les gens, les familles vivent, les parcs qui sont populaires, les places qui ont locales pour manger. Donc, tout ce qui n'est pas touristique, tout ce qui est vraie vie, tout ce qui permet, en tout cas pour moi, d'observer et d'étudier les gens, c'est vraiment d'en apprendre plus sur l'humain qui me fascine. C'est la raison pour laquelle je voyage. Fait que là, je découvre quelle est la culture, c'est quoi les mœurs. Tu sais, quand ils marquaient ça dans les descriptions de films, drame de mœurs. Ça me prend un bout là, avant de comprendre que c'était mœurs. Bon, ouais, tu sais, il faut que jeunesse se fasse. Là, j'ai appris ça, j'avais juste 28 ans. Fait que c'est San José, c'est la capitale du pays. Puis, il y en a qui aiment ça propre. Moi, j'aime ça sale, les places. Puis, c'est pas pour être négatif ou dénigrer quoi que ce soit, mais c'est des cultures qui sont comme ça, des places qui sont comme ça, les capitales sont comme ça. Si tu as voyagé beaucoup, puis tu passes du temps à New York City, si tu passes du temps à Tokyo, si tu passes du temps dans les grandes villes, il y a un attrait, ça paraît que l'humain est passé. Fait que c'est pas tout le temps le look d'un 5 étoiles sur le bord de la plage. Puis personnellement, rien contre ceux qui préfèrent ces voyages-là. Moi, c'est pas mon dada. Je veux vivre dans le vrai. Je veux partager des moments avec ces gens-là ou peut-être juste les observer à partager ces moments-là. Et c'est ce que je trouve qui est l'attrait principal des voyages. Donc là, je marche l'avenue centrale à San José vers... les parcs là, dans la partie vraiment mitoyenne de la ville, c'est ce qu'on retrouve, les grandes attractions, là, comme toutes les villes dans le fond. Là. Ils ont leur Central Park. Leur quoi? Leur Central Park. Ça, by the way, il faut que je le dise. Okay? J'ai des appareils dentaires. Fait qu'il y a des fois que les lettres, ça sort vraiment pas comme je veux, mais dans ma tête, c'est vraiment clair. Comme là, oh, il y a un musée. Là. Hein? En tout cas, il y a une boule. Ouais, d'ailleurs, si tu prends des photos touristiques, tu sautes ou que tu fais assemblant de tenir de quoi? Non! Non! OK? Merci. Ouais.
pour vous écœurer, il fait quand même un genre de gros 30 degrés ici. C'est le Musée national du Costa Rica, en fait. J'adore les musées. Pas nécessairement pour aller à l'intérieur. Pas nécessairement parce que ce qu'ils ont à montrer. Mais quel commentaire imbécile. Mais ça m'arrive des fois. Mais plus pour... c'est souvent lié à des compositions architecturales. On pense au Guggenheim à New York. À mon souvenir, c'est Frank Gehry, qui est l'architecte derrière ça, parce que j'étais un maniaque d'architecture. Donc, de marcher dans ces places-là permet souvent de voir des belles compositions. C'est un peu aussi la façon que je voyage. Je marche, de manière générale, quand je vois quelque chose qui est beau, je sors la caméra, je suis attiré par les formes, quelque chose de... je suis attiré par les formes. Je dis des affaires à double sens aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Pourtant, j'ai pris assez de café. Check! Fait que là, si t'étais un fan d'American Gladiators dans le temps, ça ressemble à Atlasphere. Là, j'ai perdu à peu près 97% des gens qui écoutaient cette vidéo-là. Pour les 3% qui écoutaient, ils font « Ce gars-là, il est vraiment cool. High five. There you go. » Donc, c'est l'aventure, les voyages. Tu te promènes, tu vois quelque chose qui t'intéresse, tu y vas, tu prends des photos. Ça permet aussi de voir des choses que tu verras pas dans les livres, qui va t'appartenir à toi de manière authentique pour ton aventure. Si tu fais par exemple un voyage dans une destination qui est moyennement populaire, souvent quand tu échanges ton voyage, c'est des souvenirs sur des places communes que vous avez vues. « Ah ouais, Playa del Carmen, je suis déjà allé là 23 fois, il y a Pedro que t'as bien fait au bord des crudités. » Encore le disclaimer, j'ai rien contre Playa del Carmen, tous les Pedro qui vendent des carottes dans sauce. Même si c'est ta volonté, j'ai rien contre vous autres, OK? C'est mon opinion à moi, ça ne reflète en rien l'opinion de Pedro et de son quartier de chou-fleur à côté d'une sauce ranch. Très important. Ça va te permettre d'avoir des choses que les autres n'auront pas vues, puis c'est pas pour être meilleur que les autres, c'est juste pour avoir une expérience différente, puis moi je la trouve vraiment plus authentique. Je sais pas comment le dire, mais tu te sens connecté avec l'endroit où tu es. Tu sens que tu as un lien avec les gens également parce que tu rentres avec une sensation de respect, pas une sensation de recherche, la sensation. OK, je recommence ça parce qu'il y avait vraiment trop de mots. Tu vas ressortir avec un feeling que tu viens ici pour apprécier leur culture et non pas pour rechercher du sensationnalisme pour toi. Alors, je sais pas si ça fait du sens, mais il y en a un qui est vraiment plus ouvert, l'autre est plus un peu plus égocentrique. Un voyage devrait être un échange, à mon avis. There you go! There you go, mucho gusto! Say hello to the world! There you go. On the free walking tour, we're doing a walk. Do you want to join us? I've just walked for the past hour. Really? So I'm good. I'm heading back. I'm gonna die out here in the sun. This is the lightest wood in the world. What is that? Balsa wood. Balsa, yeah, I know that. Balsa wood. Yeah, they make stunt tables with that. Yeah, we make masks, we make boats, everything. Yeah, cool. Where are you coming from? I come from Canada. I told you it's from Canada, yes. Why did you know that? Because I was good looking, right? No? No, it's no. Mozi. All right, have a good day. Hasta luego. Bon, ben, je pense-tu que ça vient de prouver mon point? Fait que là-dessus, on se laisse. Puis on se reparle demain. Je devrais être en transport vers mon lieu de conversation. J'ai dit conversation, j'ai dit conservation des tortues qui est vraiment dans la partie nord-ouest, très supérieure du Costa Rica. On va me perdre dans la jungle, ça va vraiment être trippant. Je pourrais vraiment pas demander de mieux pour cette aventure humanitaire. Hasta la próxima!